Je voulais vous remercier encore, Hubert, pour tout à l'heure. Et vous dire que j'étais très fière de faire cette mission avec vous. Je comprends. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais... si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Et je me devais de vous en prévenir. C'est très aimable. Merci, Hubert. Je vous en prie. Vous êtes aimable. Et que se passe-t-il? Rien. Vous n'aimez pas les hommes? Mais si, pourquoi? Je sais pas, vous retirez votre main comme si je... N'en parlons plus, Hubert. C'est parce que je ne suis pas juif, c'est ça? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, vous avez une religion qui est tellement... Tellement quoi? Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et rien... Faisons comme si c'était normal, après tout. Pas de saucisses, pas d'alcool, les femmes voilées, enfin... Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même... Quand même quoi? Ben, ça fait un peu Jacques a dit, pas de charcuterie, hein, vous trouvez pas? Non, je ne trouve pas. De plus, vous confondez les juifs et les musulmans. Vous jouez sur les mots, Dolores. Puis vous savez, de vous à moi, c'est peut-être ça aussi qui agace un petit peu les gens. Le côté « je suis juif, donc j'ai raison sur tout ». Je suis désolée si je vous ai vexé, Hubert, mais je ne m'excuserai pas. Quant à vos analyses sur les juifs, sur les noirs, sur les femmes... J'aimerais bien que vous les gardiez pour vous à l'avenir. Plutôt vous qui avez l'air vexé, hein.